Je pense qu'il y a plein de raisons d'être antisioniste, mais parce que je suis juive, oui, c'est une raison de plus d'être antisioniste. Le sionisme a kidnappé le judaïsme. C'est une OPA sur le judaïsme. Le sionisme tourne le dos sur tous les plans à 2000 ans d'histoire juive, ou en tout cas à 200 ans d'histoire juive depuis le début de l'émancipation en Europe. Le sionisme, au départ, a dit il y a 120 ans, c'est une théorie de la séparation. Ils ont dit « juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble ». Ça, c'est le contraire de toute ma raison de vivre. C'est vrai que la création de l'État d'Israël vient de l'antisémitisme en Europe. Ça a fabriqué des sionistes, d'une certaine façon, qui étaient assez minoritaires hein, dans le mouvement juif. Mais hélas, les antisionistes sont morts. Le sionisme, pour moi, est la question de la séparation du monde en race. Donc, mon judaïsme dit qu'au contraire, le juif, c'est le juif errant, le juif de la diaspora. Le sionisme politique, finalement, n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est du racisme. C'est dire que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. C'est un mouvement, c'est une idéologie politique. Et donc l'antisioniste, c'est une critique de cette idéologie et de ce mouvement. On ne peut pas comparer l'antisémitisme avec l'antisionisme. Pour moi, c'est une escroquerie politique complète. Bah, déjà, le sionisme n'est pas une race, c'est pas un peuple, c'est pas une ethnie, c'est une idéologie politique. D'ailleurs, je ne pense pas qu'Israël était une solution au problème juif. Cette déclaration que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, est un mensonge de propagande, purement et simplement. Je pense qu'il faut se battre radicalement contre cette idée, en fait. C'est une idée fausse, c'est une idée qui est la victoire du mouvement sioniste qui veut que tous les juifs doivent aller vivre en Israël. L'antisionisme est antiraciste, le sionisme est raciste. Je dirais même que le sionisme est antisémite. Dans l'histoire du sionisme, à aucun moment, le sionisme n'a combattu l'antisémitisme en Europe. Il s'en est toujours nourri. Le sionisme est un crime contre les Palestiniens et un suicide pour les Israéliens et pour les Juifs en général. Jeune, j'ai été sioniste. J'ai admiré les kibbutz. J'ai admiré le socialisme. D'accord, le socialisme, mais le socialisme, pour moi, c'est pour tout le monde. C'est pas pour juste les Juifs. Être anti-sioniste, c'est de s'opposer à la logique de la politique israélienne qui est de créer un État juif en Palestine aux dépens des autres habitants, aux dépens des Palestiniens. De ce fait, le sionisme comme phénomène politique est intrinsèquement une politique raciste parce qu'il dénie les droits du peuple qui veut la remplacer sur cette terre. Si, effectivement, le sionisme, ça signifie préserver le caractère juif d'un État, alors là, oui, je me déclare antisioniste. Ça me dérange beaucoup d'entendre l'association parfois automatique qui est faite entre antisionisme et antisémitisme. Ce qui me semble beaucoup plus grave, c'est quand un État, Israël, et ceux qui le soutiennent, des institutions, des personnalités, font cette confusion sciemment et au final alimentent les préjugés et alimentent l'antisémitisme. Pour moi, l'antisionisme, ce n'est pas de l'antisémitisme, forcément. Alors évidemment, il y en a qui se cachent derrière, qui mélangent adroitement les deux pour dire qu'ils sont antisionistes mais pas antisémites. Par contre, moi, je fais vraiment la différence parce que justement, j'ai compris que je pouvais être antisioniste et pas antisémite. Il y a des faux amis du féminisme, il y a des faux amis de l'antiracisme, il y a des faux amis des juifs, il y a des faux amis des antisionistes. Quand j'entends que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme, je suis révoltée parce que c'est une façon d'interdire la critique du sionisme. C'est une grosse ficelle, tellement grosse qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. C'est un moyen rhétorique pour éviter toute discussion autour des politiques israéliennes et de disqualifier celui qui porte la critique d'Israël. Je crois que les gouvernements israéliens successifs ont fait un travail absolument formidable de lavage de cerveau, de lessivage de cerveau, et que effectivement aujourd'hui on ne peut plus ouvrir la bouche pour critiquer le gouvernement israélien sans se faire traiter d'antisémite. Et c'est la seule raison qui me fait aujourd'hui militer en tant que juive. Je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. C'est quelque chose que je combats au même titre que toute forme d'oppression. À chaque fois qu'on fait une intervention publique, je suis très mal à l'aise parce qu'il y a toujours à la fin quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit
Je suis content que vous ayez dit ce que vous avez dit. Il y a que vous qui avez le droit de le dire, moi je ne peux pas me permettre. C'est-à-dire qu'il y a dans la société française aujourd'hui, je ne parle que d'elle, une sorte de d'omerta, je ne sais pas comment le dire. Les gens ont l'impression que critiquer Israël quand on n'est pas juif va immédiatement amener une accusation d'antisémitisme. C'est une régression du débat social, du débat public. Je ne me suis pas sentie anti-française quand j'ai milité pour les droits du peuple algérien. L'antisionisme, c'est une forme d'anticolonialisme, c'est une forme d'antiracisme. Le combat antiraciste et le combat antisioniste, c'est le même.